kunda kare vuzi samtamba tete ko wonde wonna somo ne ni kambu ya kuma kuma zo kamti hana ji er kam sabane bamin da mun ni ban nan ka samtamba wotete ti dai shar fuke a shin chen ni ba wani mata ba ta ka a san sira kabu mun ke ngomi ma ha wani ko to bon kan biya samtan sin ni ba ya bi za su ma Alors, il faut dire que l'initiative, c'est venu du volontariat de ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient enlever de leurs biens pour soutenir un peu la société dans l'éducation. Alors, il faut dire que le mal que nous avons actuellement dans nos sociétés, c'est le manque d'éducation. Donc, je pense que les initiateurs ont eu l'initiative vraiment d'enlever un temps soit peu de leur bien, voilà, d'initier un lieu d'éducation comme ça, que ce soit sur le plan religieux, mais aussi sur le plan modèle, histoire de pouvoir aider les enfants à acquérir un peu ce qui revient de ce bas monde et aussi de connaître un peu ce qui va les aider, Inch'Allah, à avoir le débat. Alors, il faut dire que le cher Inch'Allah, nous a montré un peu l'importance et la valeur que garde le Coran, Inch'Allah, dans notre vie. Et il avait bien montré que le Coran, c'est le livre sacré d'Allah, Inch'Allah. Et c'est le livre qui contient un peu de la lumière. Et c'est le livre qui va profiter à des gens ici-bas et dans le-delà. Et c'est le livre aussi sacré qui va permettre à ces gens-là, Inch'Allah, d'avoir des degrés élevés le jour de la résurrection. Donc on profite en même temps d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse grâce pour que Inch'Allah nous soyons, nous faisons partie de l'avouement Inch'Allah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir bénéficier Inch'Allah des bienfaits de ce noble Coran. Alors il faut dire que c'est notre troisième année comme ça et on rend grâce à Dieu parce que chaque année le nombre ne fait que s'augmenter et le nombre s'augmente parce que Inch'Allah les gens constatent qu'il y a du bien. Alors il faut dire qu'à la première année on a commencé avec 150 élèves. Et à l'heure où je vous parle, on est à 570 élèves. Donc, alhamdoulilah, la gestion ici, on essaie de faire de notre mieux. Il faut dire que c'est comme ce que le fondateur venait de le dire. La gestion ne revient pas de l'établissement seulement, mais dans l'ensemble des acteurs de l'éducation, qui sont les enseignants, les fondateurs, les initiateurs et les parents d'élèves. Alors, il faut dire que notre système d'enseignement ici est un peu moderne. Parce que les enfants, ils ne font pas que la mémorisation seulement. Ils font la mémorisation. Et au-delà de ça, ils ont deux types d'enseignement qu'ils reçoivent, qui est la technique et puis aussi qui est l'enseignement général. Donc du coup, il faut noter que la technique que nous faisons ici, c'est le génie civil. Donc un enfant qui est ici a la capacité de pouvoir mémoriser le Coran et de sortir en tant que technicien ou bien possible être un ingénieur en génie civil. Ce qui va l'aider aussi dans ce parcours de Charles. نيام سندقم بامنن كيلغدين اونيرزا ديل اسلام بوين حي على الفلاح.